Alors, ce S1 nous a été envoyé gracieusement déjà donc par la marque Yuans, donc que je tiens à remercier. Juste pour information, ce n'est pas parce que la marque nous l'a envoyé qu'on va l'encenser à 100% et dire que, comme certains l'ont annoncé, un iPhone killer ou tout ce que vous voulez. Alors effectivement, il peut être au niveau, je dirais, d'un iPhone SE. Mais voilà, il a des défauts, on va vous en faire part. Premier point, vous avez vu le tour du téléphone en préambule de cette vidéo, avant générique. Il est doté d'une finition vraiment agréable à l'œil. Ça, c'est vraiment un premier point. Je retire la coque et vous comprendrez pourquoi je mets une coque. Bref, je la mets de côté et j'expliquerai après. Donc, c'est un téléphone, on va dire classique dans son design, à double face vert, enfin vert, on va dire vert plastique. C'est un smartphone puissant, plutôt bien équipé et très honnêtement avec des points positifs qui m'ont vraiment vraiment laissé content et qui m'ont donné le sourire. Je vais vous en faire part rapidement. Alors le premier point, c'est un téléphone donc équipé du MTK 6753, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Et on va rapidement faire le tour de la boîte. Et quand je vous disais que la boîte est costaud, je trouve la boîte vraiment, vraiment trop grosse par rapport à ce téléphone. Et je trouve dommage de sortir une boîte de ce calibre pour un smartphone si fin et si... voilà, un 5 pouces très fin. Donc je trouve ça un peu ridicule. Donc on refait le point vite fait, hein, tout est indiqué. 6753 pour le CPU, toute bande 1.37.8.20 pour la 4G, la bande des 900 pour la 3G, donc 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. En caméra frontale, on est en 5 interpolé en 8. En caméra arrière, on est du 13 interpolé en 16. Pourquoi interpolé? Je ne sais pas. Ça, je trouve ça un peu dommage aussi. Une batterie 2200. C'est clairement l'un des gros points faibles de ce téléphone. Ensuite, vous avez l'OS Freemi. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un OS basé donc sur Android avec la nouvelle version ici embarquée sur le basé sur le l'Android 6.0. C'est un OS conçu en Chine. Voilà. Donc, un 5 pouces IPS en HD, pas de Full HD, pas très utile en 5 pouces. Bref, il y en a qui en sortent. En Full HD en 5 pouces, pourquoi pas. Et donc le contenu, donc j'ai retiré les différentes caches, la coque en plastique qui protège le téléphone, le petit outil pour retirer le tiroir. Dedans ici se trouvait donc la coque arrière silicone. Et ensuite vous avez un nettoyant d'écran pour y installer un autre protège-écran en verre ici fourni. Avec la boîte, donc pas mal, ça c'est une bonne idée. Un chargeur 1 ampère et un câble USB, micro USB, rien de particulier. Voilà, je voulais quand même vous présenter un peu la boîte qui est quand même sacrément mouse par rapport à un téléphone qui reste fin et compact. Bref, alors on va allumer ce téléphone. Et alors, vous comprendrez pourquoi j'ai mis et je laisse la protection silicone sur le téléphone. Parce que malheureusement, vous voyez, cette face arrière marque énormément. Et au bout d'une journée, c'est juste, bref, pas très joli de voir autant d'empreintes. Donc moi, je lui laisse la coque arrière. Mais avant, je vais quand même vous présenter le téléphone en faisant rapidement à nouveau le tour avec vous. Vous voyez que c'est quand même... un cadre alu très 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 bien fini. Le micro se trouve ici, le haut-parleur bien entendu, une prise USB, micro USB simple, pas de type C bien entendu, vu le prix du téléphone. Et donc de l'autre côté, vous avez le tiroir à carte SIM qui se déverrouille très correctement, qui se retire aussi lui correctement. Alors vous le voyez, ce n'est que du certissage, hein, bien entendu, au prix où il est 130 €. Vous avez soit deux SIM, enfin micro SIM, nano SIM, soit nano SIM, micro SD. Vous remettez le tiroir, il se ferme très parfaitement, digne de marque, beaucoup plus cher, donc vraiment
rien à redire de ce côté-là au niveau finition. Et vous le verrez, il y a vraiment de très très bonnes surprises sur ce téléphone. Je nettoie parce que j'ai les mains vraiment très grasses, il fait très très chaud. Donc je nettoie tout ça, je remets la coque arrière. Voilà. Me revoilà avec enfin ce Yuan, comme vous voulez, comme je l'ai dit au départ, ce Yuan S1. Alors, le premier vraiment bon point de ce téléphone, c'est son lecteur d'empreintes. Parce qu'il est ultra rapide, il reconnaît instantanément vraiment votre empreinte, et il n'a vraiment aucun défaut. Et il ressemble un petit peu d'ailleurs, façon miroir, comme le TV. Ce qui n'est pas dénigrant du tout, puisque vous le savez, c'est un lecteur d'empreintes qui fonctionne vraiment parfaitement sur le TV, le Echo 1, 2, bref. Mais là, sur ce Yuan S1, c'est vraiment son gros point fort. C'est son lecteur d'empreintes qui est vraiment instantané. Alors, en dehors de ce lecteur d'empreintes, vous l'avez vu, j'ai juste essuyer au préalable la face arrière. Alors bon, là ils sortent le A101 qui est un hommage à Nokia, et ce A101, bah, justement ils le vendent pour une face arrière qui ne marque pas, type Galaxy S6. Et bon, malheureusement, quelque part ils ont sorti en fait ce S1 quelques temps auparavant, qui est comme le Galaxy S6, qui marque énormément sur la face arrière, même si c'est beau, voilà, sans empreinte. Mais dès qu'il y a une empreinte, c'est vraiment pas terrible. Et c'est, je pense, pour cette raison qu'ils fournissent donc cette protection en silicone à l'arrière pour, eh bien écoutez, ne pas voir les empreintes. Et du coup, on ne marque rien du tout et il n'y a que le lecteur d'empreintes accessible. Alors, je vous le rappelle, l'interface, l'OS, c'est l'OS chinois Freemi, qui est basé donc sur de l'Android 6. Donc, on va aborder tout de suite les points de détail techniques de ce Yuan S1 et vérifier qu'il est bien conçu, tout simplement. Donc on va attaquer tout de suite avec l'outil test classique AnTuTu. Vous allez voir son test, résultat 39346, ça fait partie des meilleurs scores sur le MTK 6753, je le rappelle, hein, donc le 8 coeurs. Et bien écoutez, voilà, ça promet quelque chose de pas mal, hein, justement. Donc alors, en termes d'infos, donc vous le voyez, voilà, mieux de cette façon d'ailleurs, un 6753, on vient de le dire, c'est un écran HD. Alors on a une caméra de 16 mégapixels, alors à savoir que c'est une 13 par défaut, mais ils l'ont interpolé en 16. Bon, alors vous connaissez mon point de vue sur l'interpolation, même si tout le monde le fait, je ne comprends pas trop la raison d'interpoler un 13 mégapixels, sachant qu'un 13 fonctionne normalement parfaitement. Bon, il est interpolé en 16, mais vous le verrez, de la bonne interpolation, très sincèrement. Alors ensuite, on a 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, très très bon point. Vous avez du stockage. Ensuite, donc le 6753, processeur à 1 Go 3, donc le 8 coeurs, associé au Mali. Ça va peut-être un peu vite, il a du mal à faire la netteté. Bon, donc associé au Mali T720, avec une résolution de 320 dpi. Ensuite, les caméras, donc 16, c'est du 13 interpolé en 16. 8, c'est du 5 interpolé en 8. Voilà, vous savez tout. Ensuite, donc, vous avez l'accéléromètre qui est du MediaTek, gyroscope non étalonné du MediaTek, le capteur de lumière MediaTek, le capteur de proximité MediaTek, et c'est tout. Alors, sur ce téléphone, il y a une LED de notification. Mais alors, attention, c'est juste une LED de notification pour indiquer la charge et rien d'autre. Donc, elle est en rouge quand le téléphone est en charge, mais pas de LED de notification pour les SMS, mails, et voilà, j'en passe, juste la charge. Pas de bouton rétroéclairé, bien entendu, puisque vous avez les boutons Android qui sont masquables. Donc,
du classique, ça permet d'économiser quelque part aussi le rétroéclairage, qui est pourquoi pas une bonne solution. Alors, on continue sur les tests. L'écran, vous allez le voir. Bien écoutez, Johan a fait un très très bon boulot sur ce S1, puisque vous le voyez, pas de fuite de rétroéclairage sur les côtés, donc un excellent collage, pas de tâches. Alors, sachez que ce téléphone, je suis parti en congé pour ceux qui ont suivi un peu mes informations que je postais sur Facebook ou autres concernant les congés et les tests que je menais avec certains téléphones. Ce Yuan S1 a été très utilisé et s'est régulièrement trouvé derrière le pare-brise en plein soleil. Voilà pour l'information. Et donc, c'est une bonne information, c'est qu'il n'a pas bougé. Alors, un noir très profond. Très sincèrement, les couleurs sont très très bien calibrées sur ce Yuan S1. Alors, les niveaux de gris sont juste aussi parfaits. Je vais me rapprocher, mais les niveaux de gris, on les voit parfaitement. Sauf que là, avec l'éclairage qui est sur le côté, ça assombrit un peu ici. Bon, bref. Mais à l'œil nu, ils sont juste nickel. Les dégradés de couleurs, là, vous les voyez parfaitement. On fait bien la distinction entre les différents bleus, rouge, orange, jaune, vert. Bon, je vois pas de soucis de ce côté-là, moi en tout cas. Un écran très très bien calibré qui, je trouve, vous le voyez d'ailleurs, hein, les couleurs, bon, sauf ici effectivement le blanc à cause des lumières qui a du mal à apparaître, mais vous le voyez ici, on regardera l'écran après, mais les couleurs sont parfaitement calibrées. Pour ce qui est de la batterie, je vous en parlais, elle est faible, mais malgré tout, si vous l'utilisez normalement, ça tient quand même la journée, c'est-à-dire la journée, ça va tenir 10 heures. En fait, j'utilise dorénavant PCMark lorsqu'il veut tourner sur les téléphones, mais PCMark me semble beaucoup plus fiable en termes d'analyse de batterie, et là, la batterie, vous le voyez, 5h21. Les tests de batterie sur PCMark ont l'air vraiment beaucoup plus fiables que sur Geekbench. Malheureusement, PCMark sur certains téléphones refuse de tourner. Voilà, donc la batterie, vous voyez, j'ai testé à 4h49 du matin, le 17 août, et elle a duré donc 5h20. Alors, vous voyez qu'on est passé, il y a plusieurs passes. La température en degrés n'a pas du tout évolué pendant tout le test. Et vous avez derrière les résultats de performance avec donc la batterie testée avec du browsing, de lecture vidéo, de l'écriture de texte, de l'édition, modification de photos et un travail, en fait le score global du travail par rapport aux différentes tâches effectuées par l'outil. Ce qui donne 5h20 de durée avec toutes ces tâches effectuées. Ce qui est quand même plutôt pas mal pour une 2200 mAh et à la mesure de charge, on était à 2250. Donc ce qui est un bon score puisque elle est donnée pour 2200 mAh. Mesurée 2250, ça me semble plutôt plus qu'honnête. Et je pense que Yuan, ça a sorti un bon modèle avec une honnêteté a priori totale. Ils n'en ont pas trop fait. Bon, voilà. Alors le multitouch, c'est peut-être un point faible, mais bon, ce n'est qu'un 5 pouces HD. Il est en 3 points. Très honnêtement, je l'ai utilisé pour jouer. J'ai pas noté de soucis du tactile pour sélectionner un élément ou ce genre de choses. Donc, bon, ça reste un 3 points. C'est peut-être un petit point faible. Alors, ensuite, le GPS test, vous allez le voir, j'ai aussi des copies d'écran. Le fixe a été fait en 1 minute 10, mais il s'est fait. Copie d'écran à l'appui. Voilà. 1 minute 10 pour le premier fixe. Et par la suite, il s'est chargé en 20 et quelques secondes. Voilà. Et il y en avait un de plus d'ailleurs en utilisation.
au niveau des GPS, donc ce qui permet d'avoir déjà 10 GPS fixés, ce qui permet d'avoir une très très bonne triangulation. Mes prochaines vidéos de test, je filmerai directement le GPS, l'outil GPS test, afin de vous montrer en fait et vous puissiez mesurer vous-même la durée, le temps pour fixer les GPS et faire ce premier fixe. Voilà. Mais aucun souci du GPS. Alors moi j'ai noté quelques petites choses au niveau du GPS, puisque je l'ai mis en GPS principal sur ma voiture lors d'une promenade. Il arrive qu'il perde un petit peu la route et qu'il se recalibre. Alors c'était peut-être dû aux arbres, à la densité des arbres, à la densité de maisons qu'il y avait, puisqu'on passait dans des ruelles. Maintenant, je l'ai trouvé un petit peu hésitant de temps en temps, mais le fixe est là. Et il suit correctement la route et il vous emmène à destination correctement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vous montre tout de suite le GPU Bench. Rien d'extraordinaire, hein. Mali-T 720. Vous le voyez ici, j'ai un score de près de 16 000. On va le lancer. Ça, vous aurez comme ça le nombre de frames et vous pourrez voir par vous-même comment il se comporte au niveau GPU et si la communication donc CPU-GPU se passe correctement sur ce Yuan S1. Mais je suis moi très personnellement agréablement surpris. Donc ce n'est pas, je le répète, ce n'est pas parce que Yuan nous a envoyé ce modèle que je suis agréablement surpris. Je suis sincèrement agréablement surpris, comme je le suis avec d'autres téléphones que j'ai reçus. Mais là, oui, pour un petit modèle 5 pouces HD, il est bien équipé en RAM, bien équipé en ROM. Vous allez le voir, la caméra est juste impressionnante. Un GPS qui fonctionne bien. Un écran parfaitement intégré aussi dans le châssis. Mais vraiment, son gros point faible, c'est, bon, je trouve, c'est mon avis, hein, ce non-traitement de surface pour l'écran. Donc, qui garde malheureusement beaucoup trop les empreintes. Et surtout aussi, la batterie qui est vraiment. Et donc vous le voyez, un score max au niveau des frames par seconde de 104 avec une moyenne de 57. C'est pour ça qu'on approche. Bah là d'ailleurs, on a dépassé les 16 000 ce coup-ci. Vous voyez? Bon, bah pourquoi, je ne sais pas. On était près des 16 000 auparavant. Là, on a dépassé les 16 000. Donc c'est un vraiment bon score au niveau traitement graphique 3D sur ce petit Yuan S1 qui n'est vraiment pas du tout dénué d'intérêt. Alors, on va continuer avec tout ce qui est vidéo son et on va regarder donc tout de suite notre ami YouTube qui est dans le dossier Google, puisque par défaut il existe ce dossier Google livré avec l'OS Freemi. On va charger notre vidéo, on va baisser le son, voilà, puis je zoome. Vous allez apprécier les couleurs et très sincèrement, voilà, c'est vraiment des couleurs parfaitement calibrées. Vous le voyez par vous-même, hein, je pense. Là, c'est de la vidéo full HD, hein, bien entendu. Avec les bordures noires en bas et en haut sont quand même assez fines, je trouve. Bon, même si c'est pas un full bezel-less, mais là, c'est vraiment l'image parfaite, des parfaites calibrations. La petite grenouille fluo. Non, non, très 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 belle calibration de couleurs. Un écran qui fonctionne très très bien. Il me fait vraiment très bonne impression, ce Yuan S1. Voilà, on va passer au son. Alors, côté son, on va mettre les musiques habituelles, comme ça ne permet de pas changer trop. Donc le son est ici sur, vous le voyez, hein, la face arrière, enfin la face arrière, le bas du châssis, donc entre du verre plastique métal. Et donc on va écouter ça. Thank you.
Alors, je vais peut-être pas charger celle-là, c'est pas celle-là que je charge d'habitude. Voilà, Good Morning. Donc je mets le son à fond. Nous sommes à fond au niveau du son. Alors c'est un son qui manque de pêche. Hein. Là je suis à fond, donc vous l'entendez, c'est pas la boombox. Hein. Donc et c'est pas du tout boom d'ailleurs, c'est très aigu. C'est pas mauvais en soi, c'est pas saturé justement. Mais ça manque de médium bas. Le son est clair, mais il manque de pêche. Et manque de médium bas. Voilà la conclusion que moi j'en ai fait. À écouter même plusieurs musiques. Hein. Ce morceau a quand même des basses derrière les cymbales que vous entendez. Et là, on les entend pas du tout. Voilà. Le châssis est fin petit, donc j'imagine que le haut-parleur est vraiment très très petit dans cette coque et dans ce châssis fait de métal. Alors, le son, la vidéo, maintenant il nous reste à voir donc la caméra, et je vais vous mettre des exemples de photos et vidéos faites avec ce capteur. Vous avez vu les photos et vidéos, donc c'est des photos vidéo prises pendant mes congés, et donc vous avez vu très clairement la qualité. Et alors, fait étonnant de ce capteur, c'est que je me suis mis en fait en mode HDR la plupart du temps, parce que j'ai trouvé que le mode HDR était largement meilleur que le mode simple, et surtout qu'il fonctionnait vraiment parfaitement par rapport à d'autres caméra au niveau du traitement logiciel du HDR, et des fois limite où il rajoute énormément de lumière. Sur ce modèle, ce n'est pas le cas, et je trouve les photos vraiment meilleures avec le mode HDR. Maintenant, voilà, ça c'est vraiment aussi une très très bonne surprise, le capteur photo de ce Yuan S1. Vraiment très bonne surprise, j'ai été très agréablement surpris par la qualité du capteur. Alors, on va finaliser ces tests par la lecture des fréquences. Bon, vous le verrez, la SIM 1, donc vous avez la bande des 900 pour la 3G, vous êtes en 1, 3, 7, 20, donc plus des bandes 40 et 8, mais vous avez les bandes de fréquences idéales, donc pour la France. Donc pas de souci, quel que soit le fournisseur d'accès de votre ligne téléphonique GSM. Et donc la SIM 2, c'est du GSM simple. Alors, que rajouter de plus par rapport à ce téléphone? L'interface, l'OS Freemi. Alors, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Pour être honnête, il est fluide. Vous le voyez d'ailleurs, hein, c'est fluide. J'ai pas rencontré de bug. Toutes les applications que j'ai voulu installer se sont installées correctement. Moi, maintenant, c'est le design de cet OS qui me bof. Voilà, je suis pas fan. Même si c'est quand même un peu plus beau que d'autres. Maintenant, il y a certaines applications qui sont installées d'office, telles que l'horloge avec la météo. Donc, j'ai vérifié, bon, a priori, c'est clean. Ça prend pas beaucoup d'espace en mémoire, donc c'est déjà ça. Après, vous avez donc une application UANS où l'on vous montre très clairement, c'est le Freemi OS. Et vous permet de, par exemple, laisser votre feedback, votre retour, faire votre retour sur le téléphone que vous utilisez. Donc c'est une bonne initiative, je trouve. Ensuite, quoi d'autre? Pas grand chose. L'interface des paramètres reste identique.
Rien de bien nouveau, ils n'y ont rien ajouté. Bon, ils ont les choses classiques, hein. Donc, par exemple, appuyer deux fois sur l'écran pour le réveiller. Je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui aiment ça, donc ils ont appelé ça lumière intelligente. Traduction peut-être un peu aléatoire. La barre de navigation, bien entendu, qui est masquable ou pas, et vous pouvez changer les boutons. Ça, c'est au choix. Ensuite, vous avez le réveil intelligent du téléphone avec par exemple un trait vers le haut. Ça vous permet de réveiller le téléphone. Voilà, on va le loquer. Hop, puisqu'il est loqué, bien entendu, il faut. Voilà. Alors, je ne sais même plus d'ailleurs où on double-clique. Il me semblait que c'était là. Attendez. Voilà, c'est ça, pareil sur l'écran, double-clic ou le trait vers le haut. Donc à vous de choisir ce que vous préférez. Ensuite, vous avez différents thèmes. FreeMIOS permet ceci. Donc vous voyez, modifier le thème, là, petite chose colorée, voilà. Là, c'est le Golden Gate, avec, vous voyez d'ailleurs qu'il vous change les icônes à chaque fois. Voilà, j'en reviens à quelque chose de plus traditionnel, on va dire. Voilà pour la chose. Ensuite, quoi d'autre? Bah écoutez, pas grand-chose d'autre. Conclusion donc de ce Yuan S1. Bien écoutez, que dire? Que dire que, bah écoutez, par rapport. Le rapport prix-performance, je le trouve très honnêtement largement, largement dans le coup. Il est aujourd'hui sur une de nos boutiques partenaires Gearbest, il est à 127 euros et ils offrent 2 euros, je crois, si vous le commandez via l'application mobile téléchargeable via le Play Store. Donc c'est une promo qui dure 6 jours. Donc en gros, il est à 125 euros à peu près. Bien écoutez, à 125 euros, avec, je le répète, donc un processeur 8 coeurs 6753, avec 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, ce qui n'est pas du tout, du tout négligeable, lorsque certains vous offrent que 2 et 16, hein, très clairement, surtout à ce prix environ. Lui, il vous offre donc une caméra de 5 à l'avant et du 13 à l'arrière. Bon, on passe les interpolations, mais c'est du 5 et 13 réel. Vous avez un lecteur d'empreintes qui fonctionne à 100%, très honnêtement, vous l'avez vu. J'ai oublié, c'est un écran 5 pouces avec technologie Ansel. Donc, très réactif au niveau du tactile, ce qui n'est pas non plus négligeable, vu, une fois de plus, son prix. Donc, le prix global, prix, performance, qualité de fabrication, je le trouve vraiment nickel et au niveau d'autres qui sont malgré tout quand même plus chers. Et là, je trouve qu'il est, comme d'autres l'appellent, l'iPhone killer. Je dirais que c'est pas un iPhone killer parce qu'un iPhone, ça va de tout à jusqu'au 6, hein. Bref, mais l'iPhone SE est largement plus cher et je trouve que lui est largement au niveau. Voilà. Donc si vous prenez, vous hésitez entre un iPhone SE qui a clairement, hein, le même look, le même design, voilà, en termes de design, c'est pas une révolution. Il ressemble aussi à un Ligou Elite 1 quelque part. Bon, voilà, il a le design, un design façon iPhone. Mais si vous hésitez entre un iPhone SE qui est à 400 ou 500, hein, je crois, dans ces eaux-là, 400 euros, lui il est à 125, ben, il n'y a pas photo. Voilà, c'est clair. Donc moi je n'hésiterai pas personnellement. Maintenant, effectivement, Yuan n'a pas la renommée d'un Apple, mais je crois que ce modèle tient largement la distance. Je l'ai utilisé très honnêtement. Pas mal de temps pour vous dire qu'il a résisté à de très très grosses chaleurs. Je l'avais oublié sur la table en plein soleil, il n'a pas bougé. Voilà. Contrairement à un autre modèle dont je tairai le nom pour le moment, mais j'en parlerai plus tard, mais son écran n'a pas résisté à la très très grosse chaleur. Lui a résisté, pas de décollage et pas de taches qui sont apparues sur l'écran malgré la chaleur. Et voilà, donc. Eh bien écoutez, on va aborder tout de suite les points et puis je vous mets le graphique.
ici, en haut à droite. Alors, pour ce qui est de ce Yuan S1, en termes de performance, je lui ai mis 9, parce que le 6753 et le Mali T720 sont vraiment parfaitement intégrés, ils communiquent parfaitement et tout fonctionne merveilleusement bien, y compris le Freemi OS qui n'a rencontré aucun souci de latence, de problème d'installation d'application. Donc très sincèrement, performance 9. Alors le design, j'ai mis que 7. Parce que voilà, ça vaut pas plus, ça plaît ou ça déplaît. Moi personnellement, voilà, je n'aime pas la face arrière brillante de cette façon, tout comme je ne l'aime pas sur un iPhone, tout comme je l'aime pas sur un Samsung S6, et j'en passe. Hein. Je n'aime pas ça, j'aime pas. Ça marque les traces, c'est juste pas terrible, et je n'aime pas ça du tout. Maintenant, il y en a un qui s'appelait, les goûts et les couleurs, je le répète, mais là, ce n'est qu'un avis personnel. Mais le design général, ça vaut pas plus que 7. Parce que ça suit une tendance et rien de plus. Finition 8. Alors pourquoi que 8 ? Alors que je dis beaucoup de bien. 8, pour la simple et bonne raison, c'est que aucun traitement face avant, face arrière, anti-empreinte. Et ça, sur un téléphone à double face, vert plastique, hein, très brillant, je trouve ça très dommageable. Donc, je suis mis 8, ce qui est pas mal hein, quand même, hein, très honnêtement. 8 pour une finition sur un jeune modèle, une jeune marque. Yuan, ça fait du très bon boulot là-dessus. Caméra 10, parce que vous avez vu les photos, c'est du zéro faute. Voilà, zéro faute, film zéro faute, c'est du zéro faute à tous les niveaux. La partie photo est très bien gérée, une très bonne interface aussi de prise de photo. J'ai beaucoup aimé la partie caméra. Ce n'est encore que mon avis. Il y en a à qui ça va déplaire, la partie caméra, l'interface. Moi, elle ne m'a pas déplu et je l'ai trouvé bien. Batterie, 4 sur 10. C'est vraiment son gros point faible. C'est un smartphone, donc vous faites de la photo, vous faites des réseaux sociaux et là, la batterie se décharge très, très, très rapidement. Et vous êtes obligé d'avoir votre batterie externe avec vous. Ça, c'est primordial. Donc, c'est vraiment son gros point faible. Ensuite, le prix, 10 sur 10. Parce que 125 euros, bon, mais écoutez, cherchez. Et avec une partie caméra aussi évoluée, bien écoutez, il n'y en a pas. Vous vous retrouvez avec des caméras de 8 interpolées en 13, ou du 2 interpolées en 5, ou du 5 interpolées en 8. Bref, mais aucun n'aura une caméra de 13 mégapixels d'office pour la partie principale et ne fera d'aussi belles photos, très sincèrement. Là, vraiment, la partie photo, ils ont vraiment fait fort et c'est vraiment un très bon boulot qu'ils ont réalisé autour de cette partie photo. Donc, moi, je suis mis vraiment 10 sur 10 pour côté prix parce que 125 euros, bah, alors là, il n'y a pas photo, il n'y a pas mieux. Donc, bien écoutez, voilà. J'ai oublié la note sur 10, c'est du 8 sur 10, et si c'était sous forme d'étoile, bah ce serait du 4 étoiles sur 5, à cause très sincèrement de ces faces non traitées anti-empreinte et puis cette batterie un peu trop faiblarde. Donc 4 étoiles sur 5 et un bon 8 sur 10 pour un premier modèle, non, puisqu'ils ont fait précédemment les A100 et A200. Donc voilà un modèle qui vaut ces 8 sur 10. Il est largement au-dessus de la moyenne. Donc, bien écoutez, voilà pour ce Yuan S1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, du coup, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air. Surtout, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire parce que on y répond. Surtout, partagez. Parce que, voilà, on espère avoir quand même de plus en plus d'abonnés, attirer de plus en plus de partenaires pour essayer d'avoir du matériel gratuit, voilà, sans avoir à dépenser des 1000 et des 100 tous les mois pour vous montrer ce que l'on pense du matériel. Et tout ceci, bien entendu, je le répète, sans langue de bois, en restant le plus honnête possible, je l'espère. Bien écoutez, surtout, portez-vous bien, faites bien attention à vous. Et moi, je vous dis à la prochaine, ça va mieux, donc je me remets à fond dans le boulot. Donc, allez, à la prochaine et très certainement,
puisque je vous ai fait une petite annonce précédemment des futurs téléphones qui allaient venir, le Blackview R7 qui va arriver dans les jours qui viennent. Voilà. Alors sur ce, je vous dis à plus et puis à ciao.